Le taekwondo béninois envisage d'avoir de beaux jours devant lui. C'est la conviction des acteurs de la discipline dans le pays. Ces derniers ont procédé au lancement de la saison sportive de cet art martial ce samedi 16 mars 2019 à Cotonou. L'état des lieux de cette discipline est peu reluisant, en témoigne la faible participation des athlètes béninois aux compétitions continentales et mondiales. Cependant, le nouveau comité exécutif entend relever plusieurs défis pour l'émergence de ce sport. Lancement de la saison sportive renvoie tous les pratiquants, notamment les encadreurs et les formateurs, à leur mission, une mission de résultat. Le lancement de cette saison sportive intervient dans le cadre de la mise en œuvre du projet de développement du taekwondo. Ce projet comporte entre autres des formations à l'endroit des acteurs sportifs sectoriels, l'organisation de championnats et de la coupe du taekwondo ou encore la récompense des talents par le biais des Oscars de la discipline. Pour tout le travail que vous avez déjà initié, vous les maîtres de salle, et pour la dynamique que vient d'enclencher le nouveau président de la fédération, je reste persuadé que Dieu fera en sorte que le Bénin puisse obtenir les médailles qu'il mérite au niveau continental et au niveau mondial. Les boursiers olympiques Kiki Jehudiel, Romaric Kiki, champion du Bénin en taekwondo dans la catégorie de plus de 80 kg, Sadat Boni Biaou dans la catégorie des moins de 58 kg, révèlent leur talent à travers cette discipline sportive.